Donc salut, c'est pour vous montrer mes cadeaux d'anniversaire de la part de mes potes. Du coup, je vais pas vous dire les prénoms de mes potes, mais je vais vous dire quand est-ce que ça change. Voilà. Donc tout d'abord, ma première pote, elle m'a offert des trucs chez Yves Rocher. Donc ça, c'était juste le flyer, voilà, comme ça. Elle m'a offert alors une crème pour les mains. Et je sais même plus l'odeur. Baie des merveilles, voilà. Je suis con, c'est écrit là en plus. Enfin bon, voilà. Donc j'ai pas sniffé encore, j'ai pas essayé. Ah, ça sent trop bon. Bon, vous pouvez pas sentir à travers la caméra, hein, malheureusement. Ensuite, elle m'a offert un gel douche, quoi. Voilà. Donc pareil, baie des merveilles. Donc c'est la même odeur. J'adore, je pense que je vais garder la petite bouteille parce que c'est trop mignon. J'adore les trucs tout petits. Une, je sais plus comment on dit, et donc j'en avais jamais une rien que pour moi, quoi. Et donc c'est trop rigolo. J'adore toucher ce truc, c'est déstressant. Depuis tout à l'heure, c'était pas cadré, autant pour moi. Vas-y, je suis con. Donc voilà, je sais plus comment on appelle ça. Une crème d'hydratation. Oui, j'y connais rien, à part les vernis, moi j'y connais que dalle. Donc pour le visage, voilà. Donc j'ai pas senti. Bon, ça sent moins bon que le truc de gel douche au baie des merveilles, mais ça va quoi, ça pue pas. Ça sent la crème, c'est tout. Donc ensuite, elle m'a offert une base pour vernis. Donc bon, j'en avais déjà une, mais de toute façon, deux, ça va pas me tuer. Puis j'avais pas une de Yves Rocher, donc voilà. Puis un vernis trop beau, putain, j'adore. C'est genre saumon, mais il est nacré. Donc voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai tous mes vernis. Du coup, je vous montrerai celui-là plus en détail. Voilà. Il n'a pas un numéro. Non, je crois qu'il a. Ah si, numéro 104, melon nacré. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Puis après, elle m'a offert un top coat, voilà. Donc j'en avais déjà un, mais pas de Yves Rocher. Et puis ça tombe bien parce que j'en ai presque plus. Voilà, trop bien. Ensuite, on passe à une autre pote. Qui m'a offert deux mangas. Donc en même temps, je leur ai listé genre les mangas qui me manquaient. Voilà, comme ça, ils ne pouvaient pas se tromper. Et donc, il y en a une qui m'a offert le tome 2 de Your Name, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, ça tombe bien, j'avais déjà lu le tome 1 et j'ai vu le film 3 fois. Et le tome 2 de Count Trouble, que j'ai commencé cette série il y a hyper longtemps et tout. Et du coup, je voulais la suite. Voilà. Donc si elle passe par là, hein, ce qui m'étonnerait des fois. Mais bon, on sait jamais. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, on passe à une autre amie qui m'a offert un manga. Alors, je ne connais pas du tout. Elle m'a dit qu'elle avait lu le livre et qu'elle avait beaucoup aimé, alors peut-être que le manga, ça va être bien aussi. Donc Arsène Lupin, je crois que je connais le nom. Mais voilà. Enfin, voilà, c'est tout. Du coup, je le lirai. Et j'en dirai des nouvelles. Voilà! Puis elle m'a offert aussi un livre. Putain de chat, voilà. Donc c'est un livre, je crois, humoristique pour les chats. Donc voilà, bon, elle m'a écrit ça avec des stylos qui brillent. Voilà. Donc en fait, c'est une espèce de BD comme ça. Bon, il n'y a pas de cases, mais ça compte comme des cases, quoi. Donc c'est une BD des conneries de chat. Voilà. Donc merci beaucoup encore, hein. Je vais avoir beaucoup de lectures après les livres que la prof de français nous fait lire. Ça va être pratique. Après, en fait, c'est une autre pote qui m'a offert les tomes 4, 5, 6. Voilà, ça je peux pas dire que je m'ennuie. Donc ici avec Sailor Jupiter. Ici avec Sailor Vénus. Voilà. Et ici avec Sailor Moon Mini. Je sais plus son nom. Enfin voilà. On passe à une autre pote. Donc qui m'a offert. Bon, elle m'a fait une petite carte. Voilà, mais je vous la laisse pas lire. Donc elle m'a offert, alors oui, alors c'est débile, mais c'est sa mère qui a pris, mais c'était ça, elle m'a offert un manga, mais le tome 2, et je connais pas la série, donc c'est un peu con. Mais bon, c'est pas grave, j'achèterai le tome 1 avant de le lire.
Donc déjà rien que la couverture, j'adore le style de manga. Donc ça s'appelle Courrier des miracles. Donc je connais pas, voilà. Mais je vais le lire, voilà. Donc oui, il y a le ticket de caisse, mais c'était pour le changer. Mais du coup, bah non, je vais le garder. Elle m'a offert des chats qui portent bonheur, je sais plus comment on dit. Voilà, donc il y en a tout plein de modèles différents. En fait, ils se ressemblent tous, mais ils ont tous des trucs différents. Enfin, ils sont tous différents. Donc voilà, désolée pour les reflets, mais on est en face d'une vitre et c'est là où il y a le plus de lumière dans ma chambre. Donc je les ai pas sortis. Chaussée, ce sera bien. Je vais les mettre dans ma collection de trucs de chat. J'aurai plus de place, mais c'est pas grave. Donc je vais pas voulu sortir là, sinon ça prend trop de temps. Et merci beaucoup. Et donc, comme dernier cadeau de d'autres potes qui m'ont offert un cadeau à deux, c'est la figurine pop de Sailor Moon avec c'est Luna qu'elle s'appelle, je crois, la chatte noire. Donc c'est celle-là. C'est à deux versions, mais moi j'ai celle-là. Voilà. Donc il y a tout ça après. Donc voilà, donc c'est ma deuxième pop. Parce que ma première pop, c'était l'année dernière que je l'avais eu. C'était un poney de My Little Pony. Là, c'était Derpy. Derpy Groove. Et donc là, voilà, c'est Sailor Moon et Luna. Donc je l'ai déjà ouverte, mais je l'ai remise dans sa boîte. Et voilà, voilà. C'est trop bien. Et donc, ils ont fait aussi Hatsune Miku en pop. J'aimerais trop la voir. Voilà. Donc, ici, nous avons Luna qui tourne pas la tête. Et ici, Sailor Moon qui, elle, tourne la tête comme toutes les pop. Voilà. J'adore les cheveux. C'est trop beau. Voilà. Donc, elle fait la pose de quand elle vient de se transformer. Et Luna là. Voilà, c'est trop beau. Du coup, je vais la re-ranger parce que je veux pas la mettre dans mon lit.